L'inventaire des moyens techniques est achevé, les équipes d'appui sont prêtes. Plusieurs sites d'accueil répartis sur la commune recevront les personnes en situation d'habitation précaire. Elles iront dans les écoles primaires et maisons des jeunes des quartiers, des sites connus et identifiables par la population. On a répertorié 37 sites, notamment nos écoles, nos MJC, les médiathèques et les maisons de quartier et aussi les piges qui se trouvent dans la commune de Mamoudzou, en partant de Vaïbé, Tsunzu 2 jusqu'à Kaweni, en passant par Passamaïnti, Mamoudzou et Mtsapere. Faute de sirènes d'alerte d'un danger imminent, des mégaphones sont prévus pour orienter ces personnes vers les points d'accueil d'urgence. Ils vont sillonner dans les différents villages et quartiers et expliquer effectivement à la population les dangers et puis en cas de problème, où ils doivent se diriger et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que justement tout se passe dans de meilleures conditions. Un grand nombre de lieux d'hébergement d'urgence sont situés à proximité des quartiers précaires, classifiés zones à haut risque pour accueillir rapidement les familles. Nous avons beaucoup privilégié justement la proximité de ces zones-là pour que ces gens-là soient dirigés dans des endroits où tout peut les accueillir sans qu'il y ait de soucis. Ces zones sont connues, ces zones à risque, ces habitations à risque? Nous connaissons effectivement les habitations à risque. C'est quand on parle de tout ce qui est Banga qui sont à hauteur, déjà c'est très dangereux. Effectivement aussi, il y a des zones où des gens qui sont très bas, qui sont même en dessous au niveau de la mer. La municipalité de Mamoudzou a mobilisé près de 200 agents techniques et administratifs jusqu'à la fin de la levée de l'alerte cyclonique.